السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدقي فيه اليوم لنا 12/01/2015. Bonsoir messieurs dames, nous sommes le 12/01/2015. الدقي فيه المحتوى انت هذا التسجيل المرئية والمسموعة هو حول الإرهاب والحد الملأم لإجراء في عاصمة فرنسا باريس هذه الأيامات اللي جعل الدولة الفرنسية يعني مقلبة يعني من كل اتجاهات. وعلى كل حال نظمت مظاهرة اللي جمعت عدة رياس دول أفريقية وأوروبية وخاصة هذاك المجرم يعني بنيامين نتنياهو اللي جاء على كل حال يبين وجهه المقصدر الكتال يعني المجرم الإرهابي. وصبحت يعني صبح إرهابي يشعر بالخطر نتاع الإرهاب وعينه يحارب الإرهاب وهو بعد إرهابي في حد ذاته. Qu'est-ce que je vais finalement traiter à travers cette vidéo? C'est à peu près cet événement surprenant qui est arrivé à Paris, cette attaque terroriste et donc ce choc qui a fait que finalement cela ressemble à un nouveau 11 septembre 2001. Naturellement, un certain nombre de chefs d'État se sont déplacés pour rendre hommage à Dieu pour ces journalistes de Charlie Hebdo qui ont été assassinés par deux hommes masqués, inconnus, qualifiés de terroristes. Certains sont prêts à dire djihadistes, islamistes. Naturellement, cela peut être. Mais qui a fabriqué ce genre de terrorisme? Donc, cette vidéo sera un petit peu une explication de tout ce phénomène. Ala kulli hal, hadha al-tasjil la, nhaoul kifash nhallal hadha al-madda, yani bilnisba lil-irhab, wa Fransa wa al-mawaqif al-fransiya, yani hawl hadha al-irhab. Naqra ala kulli hal al-maqal li kitabtu fi al-hayy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lorsque l'Occident s'enivre par ses victoires, yani al-Gharb yani kan taqriban yash'ar bil-intisarat yani ki shughl jatou yani farha kbira sakra li'an da'iman yantasar. Alors lorsque l'Occident s'enivre par ses victoires, ses succès néocolonialistes en Libye, au Mali, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Soudan, en Somalie, au Yémen, en Irak, en Afghanistan, hier en Algérie, les années 1990 jusqu'en 2000, en République arabe syrienne également, au Liban, en Afghanistan. Il ne s'attendait pas à ressentir les brûlures et les coups douloureux que le terrorisme pouvait lui porter au cœur même de ses capitales politiques, d'où partaient ses décisions de guerre contre les pays faibles. Pendant qu'il était associé depuis des dizaines d'années, cet Occident, avec ce monstre qu'est le terrorisme, que lui-même a contribué à créer, à endoctriner, à former, à armer et projeter dans les pays qui voulaient détruire. L'ironie du sort, voilà que maintenant, ce terrorisme frappe dans la maison même de celui qui l'a façonné. C'est-à-dire le monstre retourne et mord son maître. Est-ce que cela engendrerait une nouvelle situation ? Une nouvelle priorité pour l'Occident face à ce danger dans sa propre demeure. Auquel cas, une nouvelle politique étrangère prendra forme.
différente à celle jusqu'ici, puisqu'il s'agit d'évoquer et de combattre l'ennemi de l'intérieur plutôt que de continuer toutes ces guerres coûteuses que l'Occident lui-même a provoquées et qu'il entretient toujours et jusqu'ici. Ou bien va-t-il simplement ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle possibilité, un nouveau marché d'armement, puisque tout ça est rentable, financé par les pétromonarques du Golfe, pleins de dollars US qu'ils ne savent quoi en faire. À propos de ces dollars qui finalement finissent en partie dans les poches des Américains et ceux des exportateurs de pétrole et de terrorisme que sont les pétromonarchies du Golfe. Imaginons un plein d'essence qui coûte plus de 70 euros. Regardez un petit peu chaque individu qui doit chauffer ou faire sa cuisine. Tout ce gaz qui est plus ou moins consommé, cette énergie dans le monde, équivaut à des milliards de dollars qui finissent par être distribués un peu dans tous les sens. Et donc, les pays du Conseil de coopération du Golfe, ils ont des montagnes de dollars à ne savoir quoi en faire. La scène internationale semble donc trouble, et ce depuis que le terrorisme a frappé, là où ça fait mal, chez l'autre camp, le camp qui jusqu'ici l'utilisait pour faire mal ailleurs que chez lui. Sera-t-il obligé de changer de politique, cet Occident agressive vis-à-vis de la République arabe syrienne, ou alors c'est encore une nouvelle opportunité qui s'offre à lui? Est-ce un nouveau 11 septembre 2001 pour l'Europe qui aura des conséquences positives et négatives? Seulement trois terroristes et leur action meurtrière ont soulevé tout un pays, toute une nation, la nation française, la République française, tout un peuple en fait. Un service d'ordre disproportionné, police partout, des hélicoptères dans le ciel, des portes de Paris fermées. Qu'arriverait-il si, selon les estimations du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales de la France, et pas seulement ce ministère de l'Intérieur français, si plus de plusieurs milliers de terroristes, et l'on parle de plus de 3000 terroristes, sont venus d'Europe, nés en Europe, différentes origines mais aussi européens, se mettent simultanément à agir de la sorte, comme ces trois terroristes qui ont finalement complètement dérangé tout Paris, sans compter de nombreuses cellules dormantes de terroristes qui n'attendent que le signal d'attaquer à Paris et dans les autres régions de France et d'Europe. Région octroyée aux capitaux arabes du Conseil de coopération du Golfe, saoudiens et qataris, se taillent le plus gros morceau sous forme d'associations de bienfaisance, de mosquées, de salles de prière, ainsi que des associations culturelles et sportives regroupant en fait ces barbares dormants, pour le moment imbibés de wahhabisme, de salafisme, de takfirisme et d'idéologie de frères musulmans, Khwanji, qui n'arriverait et qui arriverait s'ils se réveillaient d'un seul coup. Toute cette multitude d'associations, de clubs, de mosquées, de centres culturels autorisés et financés par le Qatar sont les retombées de relations économiques et financières particulières entre le Qatar et l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Des contrats énormes entre les deux pays. Un club Paris Saint-Germain acheté par le fonds du Koweït. Et maintenant, entre l'Arabie Saoudite et le nouveau président François Hollande, c'est-à-dire un nouveau président
avec un autre état du Golfe qui est l'Arabie Saoudite pour le président François Hollande. Naturellement, ce qui est arrivé à Paris est un crime condamnable sans aucune excuse, même si certains disent que les réseaux sociaux ont exprimé un bienfait pour vous, Français, qui avez été aussi machiavélique, aussi agressif avec la Jamahiriya arabe libyenne et l'assassinat du leader Mouammar Kadhafi. Il vous faut donc, vous, Français, un choc pour vous reprendre. Cet argument que l'on tue la liberté d'expression a été exprimé lorsque ces terroristes se sont attaqués à des journalistes. Où étaient donc les autorités françaises pendant que durant les années 1990, ces années noires jusqu'en 2000, en Algérie, lorsque les djihadistes du GIA tuaient des terroristes, des journalistes algériens, des hommes de théâtre, des médecins, des ingénieurs, des intellectuels, des policiers, des soldats et des civils, par centaines de milliers, non loin de nous, dans le temps, une attaque d'un studio de télévision en République arabe syrienne, du nom de El-Ikhbariya, fut attaquée. Journalistes tués, personnel administratif tué, matériel tué, caméra détruite. Aucun rassemblement semblable à celui de Charlie Hebdo, composé de chefs d'État nombreux, ne s'était tenu. Aucun communiqué de protestation, ni français ni d'ailleurs, réagissant pour la liberté d'expression, qui venait d'être bafouée en République arabe syrienne. Malgré le côté provocateur de cet hebdomadaire satirique, qui s'attaque aux personnes saintes, aux sacrés, pour les croyants, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les dessinateurs sont des êtres humains, et la vie des êtres humains est sacrée pour l'islam et les musulmans. Seul Dieu, pour celui qui croit, est en mesure de punir ou de pardonner celui qui dépasse les limites. Deux poids donc et deux mesures chez les Européens. Les uns sont des journalistes, les autres ne sont rien. Certains que l'on peut exprimer son point de vue, mais sont portés atteinte délibérément au sacré chez les autres, et vice-versa. Maintenant la question se pose, comment nous musulmans devrions-nous faire face à cette attaque continuelle contre notre religion, contre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Par le meurtre? Non, pas par le meurtre, comme le firent ces deux terroristes. Non, il y a un travail intellectuel, un travail de renaissance, un travail que doivent faire les institutions musulmanes, les établissements religieux, pour bâtir une nouvelle génération de musulmans moins manipulables par la propagande anti-islamique, par les mensonges des sectes wahhabites. Maintenant, encore une autre question. Où était François Hollande lorsque les terroristes s'engouffraient en République arabe syrienne depuis la Turquie, la Jordanie, le Liban, par dizaines de milliers, encadrés par des agents de la DGSE française, pour ceux qui parlent français, du MI6 pour ceux qui parlent anglais, du Mili ou MIT pour ceux qui parlent turc, du BND pour ceux qui parlent allemand, du Mossad, sioniste, jordanien, qatari et saoudien pour ceux qui parlent arabe. Ce sont donc de véritables bureaux opérationnels où des officiers militaires français de haut rang, envoyés pour mission par le ministère de la guerre française, français, autorisés par le président naturellement, avec leur équivalent anglais, allemand, américain et sioniste, depuis des camps secrets, proches de ses frontières avec la République arabe syrienne, tenant des réunions d'état-major avec une vision satellitaire en temps réel, indiquant aux mercenaires sur le terrain les positions exactes de l'armée arabe syrienne, les objectifs à détruire, comme les usines, les stations de télévision, les stations radar pour la protection aérienne, les écoles, les universités, les églises, les mosquées, les hôpitaux,
les stations de pompage d'eau, les ponts, enfin, tout ce qu'il faut éliminer en être humain, en élevage animal, en culture agricole, et détruire toute infrastructure par ces mercenaires criminels à l'intérieur du territoire syrien, contre le peuple syrien, l'armée arabe syrienne, la défense civile patriotique syrienne et le gouvernement de l'État syrien. Ce que son ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, disait que les combattants de la liberté faisaient du bon boulot. Il voulait naturellement parler de ces mêmes terroristes criminels qu'il qualifie de soldats de la liberté et à qui il faut donner plus d'armes sophistiquées. Ce que finalement confirmait le président François Hollande en livrant effectivement des armes pour ce terroriste en Syrie. Ce choc survenu à Paris va-t-il permettre aux dirigeants français, ne serait-ce qu'un laps de temps, une réflexion honnête, une véritable éthique vis-à-vis d'eux-mêmes, loin des intérêts capitalistes, loin des intérêts égoïstes, loin du commerce qui fait vivre naturellement leur marché, leur économie. C'est quelque chose de très très compliqué et difficile. Si l'on veut être réaliste, l'affaire n'est ni morale, ni éthique, ni propre. Aucun antécédent ne le montre. Tout prouve le contraire. Il s'agit avant tout d'intérêts égoïstes. Mais la situation sécuritaire, par exemple en France, selon ses directeurs, est devenue si critique qu'il est demandé au gouvernement français, instamment, de coordonner avec Damas, ce que le gouvernement syrien refuse. Tant qu'il n'y a pas de relations diplomatiques entre les deux pays, tant que la France ne change pas de politique vis-à-vis de la République arabe syrienne, il ne peut y avoir de coopération sur le plan du renseignement et de la sécurité. La situation actuelle est le produit de la politique française, comme celle des autres pays occidentaux, hostiles à la Syrie. Aucune relation sécuritaire avec la Libye non plus, où l'État n'existe plus, non plus avec l'Iran, ni avec la Russie, ni avec la Chine, donc aucune coopération avec les nations qui combattent réellement le terrorisme. Par contre, avec l'opposition syrienne de l'extérieur armée, la DGSN française, c'est elle qui l'a fait naître, et donc elle ne peut pas travailler avec le terrorisme et le combattre en même temps. Maintenant, la facture à payer pour faire face à ce terrorisme en Europe. Avant tout, le terrorisme est terrorisme. Il ne peut y avoir un terrorisme en France et pas un terrorisme en Syrie. C'est le même terrorisme. Il faut arrêter de l'appeler en Syrie opposant modéré, armée libre. Par contre, en France, il est terrorisme. Ce que les autres pays européens commencent à comprendre, qu'il faut traiter avec le gouvernement syrien sur cette réalité et non nier la réalité terroriste qui sévit en Syrie. Nous avons donc 5000 terroristes, peut-être 6000, déjà en Europe. Et si chaque terroriste nécessitait plus de 20 officiers de sécurité, de policiers, pour le contrôler, le suivre, le surveiller chaque jour, ce nombre multiplié par le nombre exact de terroristes devient un nombre de 100 000 fonctionnaires qu'il faut payer rien que pour ce genre de criminels et les autres délinquants et la sécurité routière. Tout ça devient astronomique, impossible à assumer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À suivre.